Ok, c'est parti. Alors, après un petit tour en taxi dans les rues de la capitale gabonaise, et je me doute que vous avez certainement deviné que je vais aborder un business qui a trait au secteur des transports, plus précisément celui des taxis. Je vais dans cette vidéo parler des trois facteurs clés de succès pour les personnes qui souhaitent investir dans ce secteur d'activité dans un premier temps. Et puis dans un second volet de cette vidéo, je vais répondre à un certain nombre de questions que vous m'avez posées via des mails et des petits messages WhatsApp et autres que j'ai reçus des uns et des autres. Je tiens à rappeler que cette plateforme est une plateforme d'échange. Donc, je sais que certains m'envoient des messages. Je ne peux pas toujours répondre de façon individuelle à l'ensemble des personnes qui me posent ces questions. Ces vidéos sont aussi l'occasion de partager l'ensemble de vos interrogations et de mes expériences, mais aussi des expériences de tous ceux et toutes celles qui suivent l'activité de cette plateforme. Alors, je propose, après ce petit discours introductif, que l'on démarre sur les trois facteurs clés de succès qui font que vous allez réussir dans le secteur du taxi. C'est parti! Alors les amis, le premier facteur à prendre en compte si vous souhaitez investir dans le secteur des transports, notamment celui d'un taxi, est certainement celui du lieu. Oui, très important, le lieu. Vous n'allez pas mettre votre véhicule n'importe où. L'idéal, c'est de choisir des grandes ou moyennes villes dans lesquelles habituellement on a une forte activité économique. Parce que qui dit forte activité économique dit que les gens ont besoin de se déplacer, les gens ont besoin certainement d'aller à leur lieu de travail, les gens ont besoin peut-être même d'aller à leur lieu, au lieu où ils gèrent leur business. Donc vous devez vraiment choisir un endroit où il y a réellement une demande en matière de déplacement. Et c'est le cas souvent de très 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 grandes villes. Si vous prenez votre véhicule, que vous le mettez dans un village où il n'y a pas réellement de forte demande, j'ai envie de vous dire, vous aurez certainement moins de retours, moins d'argent, moins de recettes. Donc, l'idéal dans un premier temps, c'est de choisir vraiment un lieu où la demande existe. Cette règle est valable pour l'ensemble des produits que l'on souhaite proposer. Choisissez un endroit où il y a de la demande et au final, votre produit se portera mieux. Donc, les taxis, le secteur du taxi ne fait pas exception à cette règle. Habituellement, dans le secteur de l'immobilier, où je reviendrai plus tard, on parle souvent de l'emplacement. Donc, j'ai envie de dire, pour faire le parallèle entre les deux, sur le plan du taxi, oui, l'emplacement aussi, dans le cas actuel, on parle de lieu, de ville, de zone. Même dans une ville, vous pouvez choisir de faire un découpage par zone. Même dans une ville, on peut se rendre compte qu'il y a des zones où l'affluence, la demande est plus importante d'autres. Donc, les amis, tenez compte de ce premier facteur de succès qu'est le lieu. On passe au deuxième facteur. Alors, le deuxième facteur, c'est le choix du chauffeur. J'ai hésité, je les donne un peu dans l'ordre, mais j'ai vachement hésité à placer le deuxième ou le troisième. J'ai hésité. Mais, ok, c'est parti. On va dire le deuxième facteur que j'identifie, c'est certainement le choix du chauffeur. Très, très, très important. Qu'est-ce que j'entends par le choix du chauffeur? Le choix du chauffeur se résume à choisir ce que l'on peut qualifier comme étant un bon chauffeur. Il faut que vous choisissiez un bon chauffeur. Vous allez aussi me dire une fois de plus, c'est quoi un bon chauffeur? Alors, pour moi, les choses sont très simples. Un bon chauffeur, c'est quelqu'un qui respecte les clauses du contrat que vous avez signé entre eux, entre lui et vous, autant pour moi. Donc, habituellement, dans ce type de contrat, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve habituellement les recettes, le versement des recettes. Donc, un chauffeur qui respecte les délais que vous vous êtes donné pour qu'il puisse verser les recettes, qui verse réellement les montants qui ont été inscrits dans vos contrats. Donc, un mec qui verse en temps et en heure et le bon montant. Donc, ça, c'est très important. On peut aussi retrouver quoi là-dedans? On peut retrouver le mec qui tient compte, qui gère bien votre véhicule. Donc, effectivement, le mec qui évite d'aller faire la brinque avec vos véhicules ou bien qui évite certaines zones, idéalement, de la ville. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a des zones où les routes ne sont pas bien entretenues, où on peut retrouver des nids de poules, etc. Donc, si le mec pouvait idéalement éviter ces secteurs, ce serait bien. Ou puis, au final, s'il devait se rendre là-bas, qu'il gère le véhicule comme si c'était le sien.
Donc, j'identifie, pour moi, ces deux facteurs clés. Vraiment, un chauffeur qui communique aussi très bien, qui communique sur l'état du véhicule. Surtout si vous ne vivez pas dans la même ville que ce dernier, et même si vous vivez dans la même ville que ce dernier, il est capital que votre chauffeur soit quelqu'un qui communique rapidement et bien avec vous. Quand je parle de communication, c'est-à-dire que si tout de suite il est confronté à un problème, une panne ou autre, une autre problématique, qu'il vous tienne rapidement informé. Il ne faut pas qu'il garde l'info et qu'au bout de 3-4 mois, quand vous passez votre coup de fil, le mec il vous dit « Non, patron, excusez-moi, la semaine dernière, je n'ai pas pu aller travailler parce que la voiture a eu un pneu percé ou encore il manquait de l'huile moteur. » Non. Donc, il faut aussi avoir une personne qui est réactive, qui sache vous donner la bonne information au bon moment. Il y a beaucoup d'autres éléments que vous pouvez faire figurer dans le contrat qui vous lie à ce dernier, mais on peut déjà dire que ceux que je viens de citer peuvent déjà bien cadrer le chauffeur et identifier si le chauffeur arrive déjà à respecter ces éléments, je peux déjà lui attribuer le titre de bon chauffeur. Voici pour ce qui est du facteur numéro 2. Nous avons maintenant enchaîné sur le troisième facteur. Alors, c'est bien évidemment l'achat du véhicule, le type de véhicule, choisir ce qu'on appelle aussi le bon véhicule. Le bon véhicule, c'est quoi? Bon, c'est un véhicule qui tient la route. L'idéal aussi, c'est de ne pas aller prendre une voiture qui est vraiment en fin de vie, qui ne tient plus la route, qui au bout de 2-3 jours, on va voir les premiers pannes surgir. Donc, le bon plan aussi, c'est de fournir le bon véhicule, un véhicule en bon état à ce dernier. Le bon véhicule, c'est aussi quoi? C'est aussi un véhicule qui est adapté à l'environnement dans lequel on souhaite effectuer son business. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des marques, on est en Afrique. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les routes sont ce qu'elles sont. Les véhicules ont quand même tendance à tomber en panne. Donc, si vous choisissez une marque dont les pièces de rechange sont très difficiles à trouver sur place, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés pour pouvoir réparer votre véhicule. Donc, l'idéal aussi, c'est de choisir des marques de véhicules qui sont déjà des références dans l'environnement où vous souhaitez investir, où vous souhaitez mettre votre véhicule en circulation. Choisir des véhicules dont les pièces de rechange sont facilement trouvables dans les garages du coin. Donc, prenez vraiment un véhicule qui tient compte de l'environnement. C'est très important. Allez-y sur place, analysez déjà le type de véhicule qui tourne dans la ville et faites peut-être un tour des garages. Ça, c'est aussi important, avoir déjà de bons feelings avec des garages, identifier des garages qui seraient susceptibles de réparer votre véhicule en cas de panne. Donc, le bon véhicule, c'est ça. Le bon véhicule, c'est déjà un véhicule en bon état, un véhicule qui est susceptible d'être réparé très rapidement en cas de problématique quelconque. Donc, ça, c'est très important. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut pouvoir regrouper ces trois éléments de succès. On a parlé de l'environnement, du choix du chauffeur et enfin du choix du véhicule. Pourquoi je dis que ces trois-là, il faut absolument qu'ils soient associés. Essayez de voir un instant si vous avez le bon lieu, le bon chauffeur, vous avez le mauvais véhicule. C'est ce que je disais précédemment, il tombera tout le temps en panne et vous allez être en galère. Quoi. Globalement, c'est ça, vous serez souvent en galère parce que votre véhicule, pour trouver les pièces, il faut retourner en Allemagne, je ne sais pas où, en France ou encore dans un autre pays. Il faut faire les pièces, les têtes pour faire venir une pièce. Et je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez gagner du temps, vous voulez que tout de suite votre business commence à vous rapporter des sous. Un autre cas, essayez de voir, vous avez le bon chauffeur, le bon véhicule, mais le lieu n'est pas le bon. Vous faites quoi? Votre chauffeur, il a beau être le meilleur chauffeur du monde. Vous avez beau avoir un bon véhicule, mais s'il n'y a pas de client, vous faites comment? Nada. Vous n'avez pas de recette. Personne n'emprunte vos véhicules. Là aussi, très mauvais choix. Et je ne parle même pas du deuxième choix, c'est-à-dire vous avez le bon lieu, le bon véhicule et le mauvais chauffeur, ce qui est souvent le cas en Afrique, habituellement, surtout très souvent dans ce cas, c'est-à-dire qu'on a le lieu qui est bien, le véhicule qui est très bien, mais le chauffeur qui a une vraie tête brûlée, excusez-moi de l'expression. Et là, votre business, pareil, vous tirez les cheveux. Dans mon cas, je n'ai pas de cheveux, donc il tombe tout seul. Donc, voilà, vous vous retrouvez encore dans des impasses. Donc, il est vachement important
d'associer ces trois facteurs. Idéalement, de les suivre même dans cet ordre, c'est-à-dire identifier déjà un endroit où vous souhaitez mettre en place votre business de taxi, identifier un lieu. Ça veut dire identifier un lieu, ça veut dire vous avez remarqué qu'il y a une demande dans cette ville, dans ce coin. Une fois que c'est identifié, idéalement, déterminer un chauffeur qui va pouvoir gérer votre business et puis par la suite, acheter votre véhicule. Habituellement, je vous ai dit que j'hésitais entre choisir un chauffeur et acheter un véhicule en troisième position, les deux se valent. Mais je sous-entends qu'au moment où vous démarrez votre étude, vous avez déjà l'argent nécessaire pour acheter votre véhicule. Donc, je pense que ça peut s'enclencher très rapidement une fois que vous avez identifié le bon chauffeur. Voilà pour ce qui est des trois facteurs clés de succès que j'ai identifiés pour réussir dans le secteur du transport. Et ça, c'est hérité de plusieurs échanges que j'ai eus avec des chauffeurs de taxi dans les villes africaines où je suis allé et avec ma modeste expérience dans ce secteur. Donc, moi, je vous dis, ça rapporte. Et à ceux qui ont tendance à dire c'est des secteurs qui ne rapportent pas, je vous dis, nada, 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 ça rapporte. Je vais maintenant en profiter pour répondre aux questions. Je vous l'ai dit tantôt, il y a pas mal de gens qui m'envoient des questions par mail, Manis, voilà, dans le secteur des transports. C'est pour ça que j'ai modifié légèrement ma publication parce qu'il y a du monde, voilà, Manis, est-ce qu'on peut faire, voilà, il y a tel type de questions, il y a tac, tac, tac. Donc, je vais en profiter pour répondre à ces questions-là tout de suite. Et dire à ces derniers, effectivement, que je vais répondre. À certains, j'ai envoyé des mails pour répondre, pour faire des premières ébauches de réponses. Mais l'idéal, c'est de partager les idées sur cette plateforme. Personne ne volera votre idée, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes déjà dans la dynamique de réaliser votre business, faut partager. C'est rien, ça coûte rien, ça coûte que dalle. Faites-le, moi, j'ai pas peur, je dis ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis en train d'expérimenter une nouvelle façon d'investir dans ce secteur actuellement. Mais je vous en parlerai plus tard parce que le truc n'est pas encore mature. Alors, juste un instant. C'est où? Voilà. Alors, je vais pouvoir répondre. J'ai pris mon petit carnet parce que je vais pouvoir répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors, good. Alors, la première de ces questions... je pense notamment à Paul Arnoux. Je pense que tu dois certainement suivre cette vidéo. L'idée, ce serait que tu laisses un petit commentaire dans cette vidéo. Ou encore Brigitte, vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Donc, je pense à vous. Je vais répondre rapidement à quelques-unes de vos interrogations. Alors, la première question. Dois-je acheter un véhicule, un taxi, avec déjà tous les éléments, la licence et tout ce qu'il faut avec toute la paperasse? Ou acheter un véhicule et faire tout le process de demande de licence, du numéro de taxi. La personne voilà, me demande quelle est la meilleure solution entre acheter déjà un taxi avec déjà tous les papiers ou tout simplement acheter un véhicule et puis faire soi-même les démarches liées, démarches administratives. Alors moi, je dirais il n'y a pas de meilleur ou de mauvais plan. Tout est une question de coût. Voilà. Tout est une question de coût. Si le mec vous revend son taxi à un coût moindre que le process que vous aurez à suivre en achetant un taxi, un véhicule autant pour moi, et aller à la mairie, aller faire votre licence, en tout cas dans le cas du Gabon où j'ai eu l'occasion d'expérimenter la chose, identifiez les coûts. Il n'y a pas de meilleure solution sur le coût. Ce que je recommanderais quand même à certains, c'est de faire la démarche. Allez-y, identifiez un véhicule, son coût. Allez-y à la mairie ou à l'administration qui gère les taxis, les licences. Allez-y vous renseigner sur le coût d'une licence. En fonction de ça, vous pouvez faire des additions pour identifier le prix auquel on souhaite vous vendre un taxi avec la licence, le véhicule. Vous comparez les coûts et vous aurez une meilleure idée pour savoir quelle est la meilleure solution. L'objectif étant toujours de perdre le moins d'argent possible. Le but, c'est pas, voilà, je pense que pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure des solutions, c'est de pouvoir identifier celle qui vous coûtera le moins. Voilà pour cette première question. Combien dois-je... Voilà, c'est quoi? Je vais prendre pour ce qui est de la rémunération. Alors, certains demandent comment rémunérer son chauffeur. Cette question a tendance à revenir.
Ce qui se fait habituellement, il y a deux façons de faire. Soit vous partez du principe que le chauffeur, il y a 7 jours dans la semaine, vous partez du principe que le chauffeur travaille par exemple 6 jours pour vous et le 7e jour, il est rémunéré. Après, moi, je suis plutôt un adepte du genre sur les laisser reposer quand même le véhicule le dimanche pour le nettoyage et voilà, qui se pose un peu. Donc, l'idéal pour moi, c'est de me dire, le chauffeur me verse 5, voilà, du lundi au samedi matin, l'argent me revient et du samedi soir au dimanche matin, le chauffeur travaille pour lui-même. Et le dimanche dans l'après-midi, il vient garer le véhicule. Voilà, c'est l'occasion aussi de jeter un petit coup d'œil au véhicule. Si vous avez quelqu'un, parce que là aussi je parle de certaines personnes qui investissent à distance, si vous avez quelqu'un, un lieu où le véhicule peut être garé, c'est l'occasion que le véhicule soit garé à cet endroit. Qu'une tierce personne en qui vous avez confiance puisse jeter un coup d'œil sur l'état du véhicule, qu'il puisse faire aussi le point. L'idée, c'est de s'accorder quand même un dimanche soir pour faire un petit bilan de la semaine et puis regarder un peu l'état du véhicule, voilà. Donc, après, il y a cette option, c'est-à-dire que le chauffeur, qui vous donnez un jour au chauffeur pour qu'il puisse se rémunérer. Après, l'autre option, c'est de, voilà, vous signer un contrat avec le chauffeur. C'est comme un salarié et puis, vous tombez sur un montant, il travaille pour vous. Je ne suis pas trop adepte de ce truc-là, c'est pour ça que j'ai tendance à parler de partenariat. Lorsqu'on va dans ce type de business, il faut penser beaucoup partenariat. C'est pour ça que certains mettent en place, j'espère que c'est l'une des questions, ouais. Certains ont tendance à proposer au chauffeur que le véhicule puisse revenir à ce dernier au bout de 2 ou 3 ans de circulation. C'est-à-dire que le mec, il roule pour vous pendant 2-3 ans. Et au bout de 2-3 ans, le véhicule lui revient. Cette tactique a un avantage, c'est-à-dire qu'elle vient consolider le fait que le mec, il va bien conserver votre véhicule. J'ai tendance à dire le mec, ça peut aussi être la femme. Hein. Faut pas exclure les femmes. Je pense que j'ai vu certains reportages où certaines femmes faisaient déjà le boulot de taxi. Donc, voilà, la personne se sent plus investie. Elle se dit que le véhicule qu'elle est en train de conduire va lui revenir au bout de 2-3 ans. Elle fait plus attention à ce bien parce que, voilà, elle est censée hériter de ce bien. Donc, l'avantage de ces stratégies, c'est ça. C'est qu'on a plus de chances de voir le véhicule aller au bout de sa mission, vous allez calculer les coûts, vous savez qu'au bout de 2-3 ans identifiés, vous êtes largement rentré dans vos comptes, c'est bon, vous vous retrouvez tranquillement et là, vous pouvez céder le véhicule. Il faut toujours fonctionner en mode partenariat, ça stimule les gens avec qui on travaille. Alors, l'autre question, c'est quel montant journalier peut-on fixer au chauffeur? C'est-à-dire, quel est le montant qu'on peut dire au chauffeur, voilà, tous les jours, tu dois me déposer tant, tu dois me verser tant. Là aussi, je n'ai pas de réponse fixe. Il y a deux facteurs qui vont jouer. Le type de véhicule, habituellement, on a ce qu'on appelle des taxibus, donc c'est des minibus, donc qui ont une capacité plus importante en matière de transport. Et on a aussi les petits véhicules. Et là aussi, tout dépend de la ville dans laquelle vous êtes. Tous ces éléments influent énormément. À certains qui m'ont posé la question de façon individuelle en fonction des villes où ils étaient, j'ai donné des éléments de réponse en fonction de ce que je savais. Mais j'ai envie de vous dire une fois de plus, la meilleure étude, c'est celle que vous faites sur le terrain. Rapprochez-vous des chauffeurs de taxi de la ville que vous souhaitez investir. Vous avez vite fait de savoir les coûts journaliers, le type de versement que ces derniers appliquent à leur propriétaire ou bien le type de gain qu'ils peuvent faire en une journée. Alors, je vais terminer par cette question. Ah ouais, j'y ai répondu. Est-ce une bonne idée de céder son véhicule après un certain temps au chauffeur? Donc, j'ai répondu à cette question précédemment. Donc, voici pour ce qui est des questions que vous m'avez posées dans le cadre de cet article. J'ai envie de vous dire, le secteur des transports est porteur. Il est très porteur. J'ai eu l'occasion de rentrer dans ce milieu, d'observer ce que les uns et les autres faisaient, notamment au Gabon, où c'est un secteur qui est très géré, qui est vraiment géré par mes frères venus du Cameroun, avec qui j'ai un très bon feeling. Je vous dis encore merci les frères, merci, parce qu'ils m'ont donné la chance d'entrer dans ce secteur. Ils m'ont montré un peu les rouages de ce dernier, comment ça fonctionnait. Et du coup, voilà, j'ai quitté le monde du scepticisme qui disait que ce secteur ne fonctionnait pas, alors que je voyais de plus en plus de monde y aller.
Pour avoir plus d'éléments sur ce secteur, je vous invite à aller sur mon blog www.queleinvestir.fr et chercher l'article. Attendez, je pensais investir dans un taxi, pourquoi tant de bruit dans le moteur? Donc, investir. Allez-y sur mon blog, vous allez voir un article détaillé dont le titre est Investir dans un taxi, pourquoi tant de bruit dans le moteur? Dans cet article, je reviens un peu de façon plus détaillée sur ce qui est possible, sur ce qu'on peut faire dans ce secteur. Mais je vous invite surtout à lire les commentaires, notamment de Steve, de Tierno. Tous ces derniers ont posté, ont laissé des commentaires très intéressants. Allez-y sur le blog. Vous allez lire, c'est des personnes qui ont partagé volontairement, gratuitement leur expérience du taxi dans des pays africains. Là, on retrouve notamment des personnes qui ont investi au Cameroun. Donc voilà, j'ai l'impression que les problématiques sont les mêmes. Donc, allez-y lire l'article et vous aurez suffisamment d'informations. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire que si vous aimez ce que nous faisons sur ce blog, inscrivez-vous et n'hésitez pas à activer l'alerte pour savoir à quel moment, à chaque fois que je publie une vidéo, pour que vous puissiez être informé en temps réel des différentes publications. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, likez, laissez un commentaire, partagez, personne ne volera votre idée. Si vous êtes déterminé à faire un truc, vous allez le faire. Il y a 10 personnes qui vont suivre cette vidéo, il y a peut-être 2-3 qui vont implémenter. Donc, vous pouvez même suggérer des idées ici. Il y a de fortes chances que vous soyez au final l'une des rares personnes à les mettre en place. Ne restez pas bloqué et lâchez-vous. Moi, je vous dis les amis, entretenez votre cœur d'entrepreneur. Et je vous dis à très bientôt. Salut.